Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Esbjerg et on est devant le monument qui s'appelle « Quand l'homme rencontre la mer ». Voilà. C'est des très grosses statues. Vous voyez, Mathieu, il est là. Il est tout petit et il y a Timéo là. Voilà, voilà. Ce sont des statues de 9 mètres de haut, en béton blanc, qui sont là depuis 1996 et qui ont été faites par le sculpteur Sven Wig Hansen, qui s'est inspiré des figures monolithiques de l'île de Pâques. Et si j'ai bien compris le panneau, elles sont là pour rappeler la situation de l'homme face à la nature, et le fait qu'elle soit assise devant la mer rappelle que à l'époque les hommes regardaient la mer en pensant au voyage, à leur futur voyage. Et voilà, avec le ciel bleu qui se lève, impressionnant ces statues. Un petit mot. C'est joli. Et nous voici au Fiskeri Øgsfartsmuseet, un musée sur les habitants d'Esbjerg, leur passé de pêcheurs, où on trouve aussi donc un aquarium et quelques animaux. Là, ils ont réussi à recréer, je pense, l'habitat de ces oiseaux. Je sais pas exactement ce que c'est, et comme c'est écrit en danois, c'est un peu compliqué pour savoir. Mais voilà. Donc, après les avoir Google lensé, je peux vous dire que ce sont des eiders à duvet. C'est une race de canards plongeurs marins qui vit principalement donc en Atlantique Nord, Mer du Nord, Scandinavie et Islande. Voilà. Et du coup, les blancs, ce sont les mâles, et les marrons qu'on voit hop là-bas, les femelles. Yo, c'est quoi? C'est des otaries. Des otaries ou des phoques d'ailleurs? Linceul. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce petit lézard de sable? Mais je pense que c'est un poisson ou quelque chose qui s'enterre. Et là aussi? Bah ouais, pareil. Les étoiles de mer. Hop là, regarde, il y a des bulles qui remontent. T'as vu? Ouais. Ouais. T'as vu ce que ça fait? Je pense que c'est un poisson ou quelque chose qui est en train de s'enterrer. Ou un coquillage. Deux crabes. Vous avez vu quoi là? Il y a deux crabes et des poissons. Et des poissons. On n'y voit pas trop là. C'est un peu sombre. Timéo, on le mange à midi le homard? Oui. Oui. Regarde, il sort.
Tu crois qu'il va sortir? Timéo, c'est quoi ça? Une anémone de mer. Une anémone de mer. Tu caresses l'étoile de mer? Ça fait quoi comme sensation? Ça pique? Ça pique un petit peu. Ça fait pas mal? Mais pas trop mal. Regarde, regarde. Oh, elle est repartie, flûte. Flûte, flûte, flûte. Vite, 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 vite. Ça pue. Regarde, 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 regarde. Le pauvre, il l'a su depuis tout à l'heure pour essayer de la caresser. Doucement, hein. Alors? Ça te fait peur? Il a peur, oui. Il est où là? Viens. Tu la caresses? Pas le nez. Pas le nez. Pas, sur les côtés plutôt. Caresse-lui les ailes, voilà. Et doucement, hein? Toi aussi tu veux toucher? Ah, Jade, c'est compliqué pour toi. Touche-le. Regarde, tu peux lui toucher encore. Doucement. Hein? Tu veux toucher le poisson? Il va prendre un peu le poisson. Il va prendre un peu. Mamie, regarde Timéo. Ça c'est un turbo. Nous avons besoin de capter la 6G déjà. Oui. C'est quoi Timéo? C'est l'œil de qui? De là. Baleine. La baleine. Quoi? Kraken. Le kraken? Là, il y a des milliers de kraken. Allez, go, kraken. Kraken, kraken. C'est ça? C'est le capitaine du bateau fantôme. Ah, et là, c'est qui? C'est qui là, Timon? Quand je suis arrivé, je lui ai fait peur. C'est quoi ça? C'est le kraken et le kraken il fait couler des navires. Ah oui. Et aussi. La pieuvre. C'est le kraken. Non, c'est pas là, c'est pas un dessin. C'est quoi ça, Timéo? Ah. C'est un fœtus de baleine. Un cœur de baleine. La carte de la Scandinavie. La carte de la Scandinavie. Jade, c'est quoi ça? Le bateau. Oh, le bateau! Jade, ils sont où les bateaux? Là. Là? Mais regarde, il y en a plein d'autres là. On a plein de bateaux. Il y a plein de bateaux. Ah, c'est les machines. C'est les machines. C'est le moteur. On est sous le bateau, ouais. Oui. On fait démarrer le bateau? Ça va? Tu vas dans ta maison de viking? Le camp viking.
Et elle est ouverte toute la journée. Avec du poisson séché. Mmh. C'est vrai? L'odeur, je pense. La voiture a tourné à l'eau. T'as vu, c'est les filets de pêche. Vous avez fait tout seul, maman. Et nous voici au bunker. Viens, maman. Faites dans un bunker. Maman, j'y vais. Oui, vas-y. Soldat. Et pam, pam. Pam, pam, pam. Voilà, donc c'était un bunker d'attente de la Seconde Guerre mondiale puisque le Danemark a été envahi lui aussi par les Allemands à cette période-là. C'est un vrai bunker. On arrive en plein milieu des côtes. Les petits matelots. Et nous voici au lac de Filso. Voici la Water Tower qui fait 32 mètres de haut, qui est un château d'eau en fait, et qui peut accueillir 131 mètres cubes d'eau. Voilà. Et voilà la vue de l'autre côté qui donne sur un théâtre en herbe. Et il y a la mouette là. Et voilà les éoliennes. Bravo. Que c'est beau. Magnifique. Et on est à côté d'un champ d'éoliennes. Oui, la plus grosse nuisance dans notre vie, c'est Jade. Voilà. 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 Tu nous fais le tour de magie, Timéo? Avec les doigts? Tu viens me faire le tour de magie avec les doigts? Oh, le kangourou, tu me fais le tour de magie? Jade, oui, va. Ok, ciao. Quoi? J'ai des revers de plafond, s'il n'y a pas de soucis. Je sais pas où c'est que tu l'as mis. Timéo, tu nous fais le tour de magie, s'il te plaît. Non, attends. Attention. Ouais, bravo. Il est là. Il est là. Il est pas
Allez, vous dites bye bye à demain. Bye.